Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui le tirage de la semaine. Si vous passez par ici, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo et puis d'activer la petite cloche de notification juste à côté. Et vous allez donc ainsi pouvoir recevoir mes nouveautés. Vous serez informé dès qu'il y a une nouveauté. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, je vous mets aussi sous la vidéo un lien. Il vous suffit de cliquer dessus et puis vous pourrez donc me commander votre guidance. Pour le tirage de la semaine, vous allez rester jusqu'au bout. Je vais utiliser un jeu de tarot que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le tarot des fées. Voilà, c'est des petites cartes, elles sont de petite taille, mais avec plein de messages écrits dessus. Donc je vais vous donner mon ressenti. Mais je vais aussi vous lire voilà, ce qui est inscrit sur chacune des cartes que je vais tirer pour ce tirage. Voilà, donc c'est parti. Voyance guidance. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Et donc voilà, on va essayer de découvrir ça ensemble maintenant. Allez, c'est parti. Alors, en situation, j'ai le roi, l'hiver, la nuit porte les germes de la lumière. Tiens donc. Alors, situation un peu actuelle, hein, ce qui rythme ça. Le printemps, un rêve qui se tisse deviendra réalité, vœu formulé est à moitié exaucé. Donc, il est sans doute temps de formuler des vœux, mais aussi sans doute de les mettre en place. La bronie, pardon, le bronie, pardon. Automne, demandez et vous recevrez vos pensées et votre cœur débordent de tendresse. Donc, tout ça commence à bien m'inspirer. Donc, en compte, le roi automne, le bois mort est élagué. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Et le pour était le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières. Eh bien écoutez, tout ça est assez instructif. Mon ressenti est d'ailleurs va assez dans le sens de mes tirages de tarot de Marseille. Hein, là, je vous rappelle que j'utilise le tarot des fées. Mon ressenti est que on sort véritablement d'une période. Une période hivernale. Voilà, une période d'hiver, donc assez froide, assez austère. Sur tous les plans, au niveau de toutes les énergies que nous avons connues, et que voilà, il y a un nouvel espoir. Hein, l'arcane 2, donc la reine nous dit printemps, un rêve qui se tisse deviendra réalité. Vœu formulé est à moitié exaucé. L'aspiration à des nouveautés, à des nouvelles choses devrait prendre corps cette semaine, et il est sans doute temps, et c'est sans doute la bonne semaine pour formuler des vœux qui vont se réaliser, puisque. Ensuite, le Brownie nous dit l'automne demandez, vous recevrez vos pensées et votre cœur déborde de tendresse. Que tout ce qui va être semé à partir de maintenant, pendant tout le courant de cette semaine et de cet été, finalement qui vient, va apporter ses fruits à l'automne. Donc, il est vraiment important et nécessaire que vous puissiez un peu tourner la page de toute cette période hivernale où vous aviez eu beaucoup de réflexions, vous avez pu forcément faire beaucoup de réflexions et. Vraiment oser dès maintenant semer les jalons, poser des jalons, des choses qui vous préoccupent de façon à ce que ben voilà, vous puissiez récolter ça vive pendant tout cet été, pendant toute cette semaine, et pendant tout cet été, et que vous puissiez récolter finalement le fruit de vos demandes, que l'univers ait le temps de vous répondre pendant tout l'été, enfin que l'univers examine vos demandes pendant tout l'été pour vous répondre visiblement à l'automne. Il faut vraiment aussi voilà, sortir de cette notion de j'attends. Non, non, il faut vraiment être actif. Hein. Le roi, c'est le contre. Hein. Le roi dit le bois mort est élagué, l'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Et justement, en fait, comme c'est le contre, ça veut dire qu'il faut surtout pas attendre que ça vienne tout seul, qu'il faut vraiment vous inscrire dans une démarche de prise de décision. Et le pour est donc le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières. Voilà, ça va confirmer ce que je viens de vous exprimer. C'est qu'il faut vraiment oser demander, faire, passer à l'action, entrer dans une forme de joie et de dynamisme pour que les choses se produisent. Donc c'est une semaine qui est sous l'auspice véritablement de l'action. Voilà, c'est vraiment une
les temps à nouveau. C'est vrai, je vous ai dit ça dans mes précédents tirages depuis quelque temps que je réalisais avec Tarot de Marseille ou avec le Tarot Basque. Hein. Mais là, on a une nouvelle confirmation avec ce nouveau jeu de tarot où il dit voilà, hiver, récompense et gratitude pleuvent sur vous. C'est bien ce qui est annoncé. Tout ce que vous allez décider de mettre en marche dès maintenant, dès cette semaine, va être écouté et entendu pendant tout cet été. Et à partir de l'automne et pendant l'hiver, vous allez récolter le fruit de vos efforts et de vos demandes. Donc, je vous invite vraiment pour vous-même à passer à l'action par rapport au sujet qui vous préoccupe. Enfin, du moins, c'est ce que nous dit ce tarot des fées, mais qui va dans la continuité finalement du tarot de Marseille et du tarot basque, comme j'ai pu vous présenter, vous dire dans le précédent tirage. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Et bien entendu, si vous avez besoin de guidance personnelle pour tenter de répondre à un de vos problèmes ou essayer de vous aider dans une prise de vos décisions, comme d'habitude, il y a le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt.